Le pilote mexicain a remporté sa première victoire de la saison sur la disposition du circuit Jeddah dimanche. Red Bull continue son parfait début de saison. Le retour fou Max Verstappen, qui a quitté 15e place sur grille départ, n'a pas suffi à lui faire exploser victoire pour son coéquipier. Et le Néerlandais a terminé deuxième, mais le point bonus meilleure tournée course, acquise dans les derniers tours, lui permet garder tête du championnat. Tirmière sur piste. Fernando Alonso d'abord célébré 1200e podium sa carrière en F1. Avant d'être rétrogradé pour ne pas avoir observé de pénalité au profit George Russell. Mais après nouvelle procrastination que FIA a le secret. Trenduria Toro finalement était réintégré sur boîte. Tard en soirée. Une récompense juste. Car il provoquait menace à Sergio Pérez, qui croyait tout perdre au début Grand Prix. Mal de pole position immédiatement dépassé par Alonso. Mais au volant du single manche plus puissant. Tableau. Le Mexicain a résulté sans problème course pour 4e tour. Dominator et en toute confiance. Il décollait n'a plus jamais été inquiet pour chercher 5e victoire de sa carrière. Son coéquipier, Max Verstappen, vainqueur du premier tour, a signé un bon retour entre les murs du circuit urbain de Jeddah pour l'accompagner sur le podium. Sécurité parce que pour trouver le podium, mais embarrassé par des problèmes techniques à fin de l'événement, il n'a pas pu pousser à jouer victoire avant fin. Alonso a pénalisé après l'arrivée puis réintégré, il est également parti dans le peloton après avoir été pénalisé pour un changement de composant sur sa voiture. Charles Leclerc n'a pas eu le même succès. Il se retrouve derrière son coéquipier Carlos Sainz, en 7e position, derrière les deux Mercedes, loin du rythme de Red Bull et Aston Martin. Cliquez pour plus de semaines après Bahreïn. Fernando Alonso a pensé qu'il gagnait un nouveau podium pour Aston Martin, mais s'il allait bien sûr la boîte. Il a ensuite été sanctionné pour une peine peu performante. Après son départ jugé illégal. Une situation qui profite George Russell. 4e à son arrivée après une solide course où il a résisté la pression de son coéquipier Lewis Hamilton. Dans ses échappements, la piste Alonso 3e. Russell force. À Alpine, la déception de Bahreïn a été bien digérée.